Bonjour à toute l'assistance. Je me charge d'introduire celui qui est indiqué en la circonstance pour faire les civilités de la bienvenue à l'homme de Dieu et à son équipe. Donc, comme vous le connaissez, c'est vrai, vous ne le connaissez pas. C'est lui que Dieu a choisi dans notre département, le département du Zou au Bénin. Et il est à la tête du corps de Christ, les églises évangéliques. Nous appelons cela CAEM, collectif des associations des églises évangéliques du Bénin. Donc ici dans le département, il est le président. Donc je voudrais inviter au micro, humblement, le révérend Hubert Soglo-Roux à prendre le micro pour pouvoir nous introduire. Merci. Nous sommes remplis d'émotion et de joie parce que ça fait un peu 45 jours qu'on attendait l'événement et qu'on priait pour que l'homme de Dieu, l'apôtre, il est notre Père, foule notre département. Et voilà, l'heure a sonné, il est descendu dans la commune, sur le site où les événements d'évangélisation et croisades, séminaires, tout auront lieu. Nous voudrons, au nom du corps de Christ du Zou, de tous les leaders clés du département, dire bonne arrivée à l'apôtre et à toute son équipe. Nous sommes contents de vous accueillir ce matin au milieu de nous. Et je crois, le Seigneur vous bénit. Nous avons suivi de loin ce qui s'est passé à Parakou. Le Seigneur avec vous. Bonne arrivée à vous et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci, Président. Après cela, je vais inviter aussi le directeur de la campagne Jésus Sauve Afrique Bénin, Boyko, et notre cher ami qui est devenu béninois. Je ne sais pas si l'apôtre va permettre. J'ironise de le laisser au milieu de nous, que nous le maintenons ici. Peut-être, je ne sais pas, c'est difficile ce que je lui demande, mais vraiment, il est bon en relation. Donc, nous sommes très heureux d'avoir composé avec lui durant toute cette période. Je voudrais l'inviter donc au micro. Laissez. Merci beaucoup, Président. Merci, cher pasteur. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce, sa faveur soit sur nos vies. Amen. Donc, nous sommes heureux. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. C'est un grand jour pour le Zou aussi. Et je veux que, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, qu'on se tienne debout pour acclamer le Seigneur Jésus. Tout ce que Dieu a fait, Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, ce jour-ci, Dieu a fait grâce et il a envoyé l'apôtre au milieu de nous. Donc, je vais présenter la délégation de l'apôtre. Et je vais commencer au bout. Et je vais terminer par l'apôtre, même si vous le connaissez déjà, parce que je vais terminer par lui. Au bout, nous avons le DM, le directeur de mission, qui nous a précédé déjà, vous le connaissez très bien. C'est le pasteur Conan Jean-Yves, qui est le directeur de mission au niveau du ministère Message Divin. À son côté aussi, nous avons le pasteur Charles Atukwasi, au niveau de l'organisation Vie, les chargés de l'expansion. Sur le côté ici, à ma gauche, nous avons le pasteur Mustapha Sanogo, chargé de la formation au niveau de l'organisation Vie. Et à côté du pasteur Mustapha, nous avons le pasteur Alain Deikakou, vice-président de l'organisation Vie. Et au milieu, c'est mon papa. Je ne veux pas dire notre papa parce que c'est mon papa. Alléluia. Nous avons l'apôtre, le révérend Mohamed Sanogo. L'apôtre des nations. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur pour sa vie? Ok, Dieu nous bénisse. Sur ce, sans plus tarder, je vais laisser le micro au vice-président de l'organisation Vie, le pasteur Alain Denis Capou. C'est bon.
Que notre Seigneur soit béni. Et c'est pour nous vraiment une très grande joie d'être là. Je suis sûr que Dieu va faire des choses extraordinaires ici à Bouicon. Avec Dieu, on va le voir en gloire. À Parakou, c'était très puissant. À Bouicon, ça sera extraordinairement puissant et glorieux. Alléluia. Et je donne la parole à l'apôtre pour vous donner son mot d'introduction déjà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Seigneur soit élevé. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui fait de nous des frères et des sœurs en Christ. Nous avons grâce. Il a fait de nous une grande famille répandue à travers le monde qui confessons son Saint-Nom. Amen. Et nous rendons grâce à ce grand Dieu qui permet à ce que nous puissions fouler les pieds de Bouicon. Bouicon, vraiment, nous sommes contents d'être ici. Je voudrais vraiment déjà dire merci au président et à tous les pasteurs parce que vous avez vraiment accueilli lorsqu'on a envoyé notre délégation avec le directeur de mission, le directeur de campagne. Vous avez cru en leur annonce et chaque fois qu'on avait des réunions, on peut se rasseoir, pardon, on peut se rasseoir. Chaque fois qu'on a eu des réunions, nécessaire vraiment de célébrer Dieu pour la grande collaboration, l'acceptation et la grande collaboration qu'il y avait entre lui et tous les pasteurs de la région. Et vraiment, j'aimerais vous dire vraiment merci. Lorsqu'on envoie une personne, quand on la reçoit bien, c'est l'autre même. Donc je suis déjà, avant même d'être venu physiquement ici, je me suis senti chez moi. Donc quand vous demandez à Didier de rester, c'est moi qui dis de rester aussi. Voilà, donc vraiment en tout cas, merci encore une fois de plus pour l'accueil. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, que le ciel sera fortement ouvert. Amen, nous le croyons parce que la qualité de l'accueil détermine aussi souvent la qualité de la grâce et de la puissance que le Seigneur accorde à un endroit. Et nous croyons qu'à compter de ce soir, la ville de Bouicon va être vraiment bénie par la parole de Jésus, que les vies seront transformées, que les cœurs seront touchés, que les malades seront guéris, et que vraiment un grand mouvement qui vient encore encourager, continuer le travail extraordinaire que vous faites sur le terrain, puisse partir à partir d'aujourd'hui, puisse démarrer en gloire à partir de Bouicon. En tout cas, vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le nom du Seigneur soit élevé. Nous attendons vraiment à la grâce et à la gloire de Dieu. Donc avec la croisade, aussi les séances de formation avec les serviteurs de Dieu, les leaders, que Dieu bénisse ces moments-là, que tout soit sous sa coupole, sous sa grâce, et que nous voyons sa gloire. En tout cas, soyez bénis. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, le mal est là. Amen. Voilà. Ok. Merci. Maman, là, maintenant, problème. Bon, doué. Bon, nous conduire. Et là, monsieur. Et là. D'accord.
famille là. Quand on dit comme ami pelé, ah oui oui minati, bon à toi pas qui compte. On a pité la mirande d'Abéa, on y tape nos mielos, mini kouabo, o mi mawa pito kouwa. Merci Jésus donné, merci, 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 merci. Acclamons aux charmantes mamans dans le rythme traditionnel à Kongo. Ah, venez, venez s'il vous plaît. Mime dirao, dit-on que nous sommes pour miwa, miwa nous comptons. Eh ya, mimo, 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 le chant dit ceci, il est plus grand que les montagnes que nous voyons dans notre nation ici. Jésus est plus grand. Hein, on m'a dit pour le don, à Jésus, aïe, pour là, ça va. Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, merci, 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 merci. Merci, s'il vous plaît. Voilà, donc le rythme à Congo que vous avez écouté comme ça. Donc, nous sommes à la fin de cette séance. Nous allons donc lever la séance, s'il vous plaît, mes chers, chers seigneurs de Dieu, nous allons nous tenir debout. Et
donc permettre à l'apôtre avec sa délégation de se retirer. Ok, donc il demande que nous prions. L'apôtre demande que nous prions. Gloire à Dieu, on va rendre grâce à Dieu et confier parce que cette cérémonie ouvre la présence de tout à l'heure sur ces trois jours. Seigneur Dieu des cieux, Dieu vivant, nous sommes vraiment reconnaissants de cette occasion que tu permets. Ça n'a pas été facile d'avoir les autorisations, mais tu nous les as données. Ça n'a pas été facile de déplacer tout le matériel. Et tu as permis à ce que nous puissions arriver ici, à Boïko. Et nous sommes reconnaissants. Nous voici entre tes saintes mains, afin que ton nom soit élevé ce soir. Et que ces trois jours de croisade soient sous ta couverture, sous ta bénédiction. Que ta lumière brille à Boïko. Que ta lumière brille. Que les ténèbres se tissent. Et que ton règne vienne. Et que Boïko soit béni par ces trois jours. Glorifie ton nom dans toute la ville. Merci Seigneur pour cette cérémonie qui ouvre officiellement cette croisade. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.